C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Je vais vous chanter un poème. Autrefois je chantais et puis un jour je n'ai plus de voix. Alors mon pianiste m'a dit, tu n'as plus de voix, tu ne peux plus chanter, mais tu sais parler. Alors tu vas prendre toutes tes chansons et les transformer en poèmes. Durant la saison 2021-2022, l'Union départementale des établissements pour personnes âgées du Tarn s'associe à l'ADA du Tarn et Tradétique Productions pour les musiques de nos vies, un projet mis en place avec 5 EHPAD et dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie par le développement d'actions culturelles. Des binômes de musiciens et comédiens ont été amenés à rencontrer les résidents des EHPAD engagés dans le projet, ainsi que des personnes de plus de 60 ans du territoire, pour collecter les musiques et les sons qui ont jalonné leur vie. Sur cette première session, ont participé les EHPAD d'Albi, Mazamé, Réalmont, Roquecourbe et Saint-Pierre-de-Trévisy. Les binômes artistiques sont ainsi intervenus dans l'ensemble du département du Tarn. Bonjour Madame Cavalier. Oui. C'est Hervé et Oliviero, on vient vous chercher. Bonjour. Ah, il y a du monde aujourd'hui. Ah, on est la star là. Les objectifs étaient nombreux. D'abord, lutter contre l'isolement social, en amenant les résidents à partager, échanger, co-construire avec les artistes et le personnel de l'établissement dans une aventure collective. Mais il était aussi essentiel de développer une pratique artistique et culturelle au sein des établissements et fédérer un ensemble de structures autour d'un projet commun permettant de prévenir les pertes d'autonomie évitables. Vieillir, c'est quoi? Eh bien, c'est prendre de l'âge, un peu comme moi, puisque j'ai 96 ans maintenant. Bon, notre corps est plein de rides, c'est la mémoire qui flanche. À un certain âge, on a beaucoup appris de la vie. On a une autre vision des choses. L'intérêt du projet, c'était donc une base de collectage plutôt des histoires un peu de leur vie, toujours plus ou moins en lien avec la musique, mais pas seulement. Ce que je retiens toujours, c'est l'apport que les personnes âgées peuvent nous amener. Parce qu'il y a des choses, quand ils nous parlent de la guerre, quand ils nous parlent de l'impossibilité de s'amuser, bon, il y en a qui nous l'ont dit, quoi, notre jeunesse a complètement été effacée. Ce sont des choses que nous, on n'a pas connues. Puis la façon dont ils nous parlent aussi des musiques de leur vie, mais aussi des bruits, des sons qui les ont accompagnés. En tout cas, voilà, on a eu des échanges quand même assez riches avec les résidents, et ça, c'était... C'est vraiment, pour moi, la réussite, elle est là, ces moments passés avec eux. Je me souviens que dans les discussions qu'on a jusqu'à présent, certaines d'entre vous ont dit, oh, nous, il n'y avait pas trop de musique, vous savez, on a les parents, enfin voilà, famille agriculteur, on était agriculteur, il n'y avait pas forcément de musique. Mais même, j'habitais à la campagne, j'avais un voisin qui était agriculteur, et je sais que tous les jours, quand il prenait même son tracteur, il y avait un truc qui était rythmé, en fait. Il y avait un tracteur qui pouvait devenir, en fait, quelque chose de vivant, de musical. Est-ce que, vous, autour de vous, vous avez imaginé des fois des sons un peu musicaux comme ça, qui sont du bruit, mais qui pourraient devenir de la musique? Ah, le bruit, il y en avait. C'était une tuilerie. Alors... C'était tout automatique, alors les tuiles arrivent au fur et à mesure, là, à la chaîne, parce que la machine ne s'arrête pas. D'accord. Et ça donnait, ça fait du bruit. Il y a un rythme régulier, du coup, avec... Oui. Dès les premières rencontres avec les résidents de l'EHPAD et les personnes du village de Roquecourbe, ils ont parlé tout de suite des sons, des usines qui avaient une certaine époque, donc on s'est amusé à imiter ces sons-là, les enregistrer et faire une bande sonore à partir de ces enregistrements. Et puis après, on a la pointeuse.
comme quand on prêtait. Vous savez, t'as tenu une carte avec le bout des doigts. Voilà, vous voyez, vous regardez, hop, ne bougez plus vos doigts. Les ateliers s'enchaînent au sein des EHPAD. De novembre 2021 à mars 2022, les binômes de musiciens et comédiens, accompagnés par les animatrices des établissements, ont collecté la parole et les musiques des résidents et de leurs proches du domicile. À Élise, tous les lundis, elle est venue avec un petit boîtier qu'elle mettait au milieu. Elle a sélectionné des moments où vous parliez de choses importantes. On va s'écouter un coup. Alors c'est écrit peut-être un peu moins gros là, parce qu'il y a beaucoup de textes. Ça va? Vous arrivez à le lire quand même? Vous la connaissez tous? Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Au début du printemps, un nouvel objectif se dessine. Regrouper tous les sons et histoires recueillis afin d'en créer un spectacle. Une trame se construit peu à peu et les répétitions commencent. Faut imaginer que quand le spectacle va commencer, toutes les chaises seront vides, tous les fauteuils seront cachés. Et puis, il y aura une petite musique. Et sur cette petite musique, nous aurons Élodie. Je te préviens. Je voulais pas que tu saches. Parce que, en fait, Élodie, tous les lundis, tu le faisais. Ouais, ouais. Donc je me suis dit, pourquoi d'un seul coup changer de rôle, hein? Donc on va commencer le spectacle avec notre rituel. Donc c'est Élodie qui annoncera. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais et je le l'aimais. Et donc là, il y a le théâtre dont vous s'allume. L'éclairage. Après l'isolement imposé par les contraintes sanitaires, l'idée de ce projet permettant de faire valoir les droits fondamentaux des seniors et personnes âgées s'est imposée comme une évidence. Participer à une création artistique à partir de sa culture d'appartenance redonne du sens au défilement des jours et permet de rester acteur de sa propre vie, quel que soit son âge, et c'est possible. Ce dispositif qui permet d'associer les seniors du domicile, famille et résidents, contribue à faire évoluer le regard que l'on peut porter sur les établissements médico-sociaux. Oui, il y a de la vie dans les EHPAD. Quel que soit notre âge, nous avons droit à avoir accès à la culture et vivre de nouvelles expériences. Par moment, dans le spectacle, on vous entendra parler, et puis hop, ça nous annoncera une nouvelle séquence, etc. Et ce sera fait. Une petite séquence chanson, une petite séquence théâtre, un enregistrement, une petite histoire qu'on entend, et puis de nouveau, et on va construire les choses comme ça. Canteu, 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 no. Écoutez-moi, ne laissez jamais.
sens. Seule la nuit traînée dans les rues, ils iront tout droit en prison. Le lundi 4 avril, en principe, ça sera deux jours avant. En principe, il y aura des personnes qui viendront vous faire les ongles pour vous préparer pour le spectacle. La manucure, petite séance de manucure pour tenir les machines là. On vous bichonne, on vous coiffe, on vous maquille. Après plus d'une trentaine d'heures d'intervention artistique, les musiciens, comédiens, seniors et résidents étaient prêts pour le grand final. Chaque EHPAD a ainsi pu restituer sur scène son spectacle avec ses musiques et son histoire. Des groupes de musiciens du collectif Tradétique les ont rejoints pour l'occasion, et chaque restitution s'est accompagnée d'un bal où tous et toutes étaient invités à participer. Je m'appelle Liliane, je m'appelle aussi Nicole, ou Huguette, ou bien Yvonne, Emilienne, ou Thérèse, ou... Mais je pourrais aussi m'appeler Roger ou Jean-Étienne. Ou... Certaines choses commencent à s'absenter. Alors autant s'exprimer tout de suite, là, immédiatement, de suite, parce que je suis là, que vous êtes là. Je suis là pour vous parler et vous êtes là pour m'écouter. Ici, à la belle étoile, on sera toujours heureux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Des notes de musique célèbres. Le beau Danube bleu de Richard Strauss. Alors je m'approche et je m'aperçois qu'un garçon que je connaissais, mais enfin pas tellement, parce qu'il était plus âgé que moi, qui jouait sur le piano de ma grand-mère, il se mit à me regarder en souriant. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce garçon est devenu mon mari. Maman ? Oui. Il y avait du monde le matin à la pointeuse. Oh oui, on se bousculait pas hein, pour entrer. Le temps est un enfant qui joue à la marelle. Ce soir, salle Jeanne d'Arc, cinéma. Au programme, la femme du boulanger. Ah, si, si. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas où se situe la salle Jeanne d'Arc. N'allez pas à la place Jeanne d'Arc, parce que la place Jeanne d'Arc, il y a le percepteur. Hein. Si, si, si. Mais on ne m'a pas dit que.
que derrière la fenêtre se trouvait le bureau du receveur. Et donc, elle me faisait chanter des chansons bagardes. Et ça, c'est dit. Ah oui, alors, elle était carapée. Et mais moi, je ne savais pas qu'il y avait la fenêtre derrière. Donc, je chantais. Puis, le receveur, quand il passait, il s'est arrêté. Il m'avait dit, je trouvais que vous avez du... Ça fait des progrès, madame Esteban. De temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Mais vous saviez que vous jouiez violon comme un dieu? J'y vous aime beaucoup. Merci, merci, chère baronne. J'ai bien reçu votre lettre. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai eu. Jouiez, jouiez encore. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie, partout y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu, pourtant c'est le gros bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé le soleil de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie, la tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, gardez tout, monsieur, gardez tout, tout, tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie partout, y a de la... Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Y a de la joie partout, y a de la joie.